Cassef. Il se parle plus. Voilà. C'était Orga le Petiti qui a essayé de faire un résumé de tout ce qui se passe. Vous voyez qu'il a cité plusieurs artistes parce que depuis que je revendique certaines choses, les gens se mettent à la toile et disent que oh, il s'attaque à tout le monde. Il a d'abord commencé avec tel, il a commencé. La guerre entre les artistes a commencé depuis. Jean-Pierre Essomé, petit pays. Je n'étais même pas encore artiste. Quand il commence les guerres à Yaoundé, je n'étais même pas encore artiste. Cette histoire de leadership. Quand Papillon vend la chanson, l'amour et la misère, l'amour et Manawa. Il vend cette chanson à Alaa Dittouré. Et Alaa Dittouré fait interpréter cette chanson par les jumeaux Epé et Koum. Et Papillon, étant très malhonnête, ressort la même chanson. Et ça a créé donc tout un conflit entre déjà Papillon et Alaa Dittouré, qui avait acheté la chanson. Et Papillon et Epé et Koum. Et pendant des années, l'Epé et Koum passaient le temps à insulter Papillon. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont joué sur le plateau du Papillon. Mais je me souviens que pendant des années, parce que moi, j'ai été proche, j'ai été auprès de Papillon pendant une bonne période. Et il y a une période où on l'a craché, tout le Cameroun a craché sur Papillon. Il y a une période. Donc la guerre avec les artistes, ça commence par sur Longa. C'est qu'avant, il n'y avait pas Internet pour parler comme je parle là. Et d'autres font des études dans des coulisses. Sergio Polo, Fred Bolo. C'était des frères, c'était des amis. Parce que c'est les érudits d'abord, à la base. Sergio Polo ou Gonyame. Sergio ne faisait pas un album, ne réalisait pas un album sans la présence de Gonyame. Plusieurs fois, moi, je les ai vus. Parce qu'on a dit que c'est cela. Et quand Ougonyame me dit que Abele Sombadina là, Ougonyame Adedo, Abele Mana Nenjana, Mana Farote mon. Na Bomondje na Abele Mbadina. Il appelle mon nom dans sa chanson. Que moi, je lui ai donné quoi? Vous comprenez? Les conflits avec, on va croire que Longa Longa, c'est celui qui dérange. Alors que les gens même qui dérangent sont là, les problèmes avec les artistes, c'est tous les jours. Papillon, Maman Guéa, tout le monde connaît. Tout le monde connaît le problème, ils ne se parlent pas. Depuis c'est combien d'années? Hein? Ougonyame m'a fait cette confusion en me disant que Ougonyame me dit que la partie là, c'est lui. C'est lui qui met cette partie dans cette chanson. Et ce que l'autre n'a jamais reconnu en disant que Ougonyame n'a jamais rien fait. Ces gens ne faisaient pas un album sans Joli Priso. Parlons vrai.
même en face, je lui dis ça en face, il dit qu'il ne faisait pas d'album sans travailler avec Jolie Prison. Hein? Alors, dans ça, alors où est l'honnêteté maintenant? Parce que Jolie Prison repos, il dit que l'album de Nono Flavie, il dit que c'est lui qui est tout arrangé. Et Sergio est allé à Paris, il a mis arrangement Toto Guillaume. Bon, pourquoi vous allez croire que c'est Longuet qui est le fouteur de troubles dans le milieu artistique, qui cogne les têtes des artistes ou qui attaque? Alors que les vrais problèmes, les vrais, moi je suis là, je suis en légitime défense. Hein. Je suis en légitime défense. Avec le grand frère Mundi, lui, moi, il écoutait depuis Equinox avec son ami Chop Chop. Et il passait le temps à me dénigrer, à dire ceci. Alors qu'aucun des enfants de Mundi ne me vaut. Aucun ne me vaut musicalement parlant. Même assis socialement. Ce n'est pas parce que les gens ont eu la chance aujourd'hui de s'installer en Europe. Nous tous, on a les enfants en Europe. Et j'arrive en Europe. J'arrive en Europe, attendez-moi en Europe comme ça, on va parler face à face. On va parler pas face, on parlera face à face. Hein? Donc, est-ce qu'il y a que ça? Allons à Yaoundé. Quand vous allez à Yaoundé, vous allez voir Ama Pierrot avec Chimitoro, ne se parle pas. Vous allez voir qui est qui encore. Major Ayi, Lady Ponce ne se parle pas. Vous allez. Dis donc, c'est vieux. Major Ayi et sa mère Katino, c'était la guerre à un moment. Peut-être c'est même toujours la guerre. Hein? C'est la guerre partout là. Il n'y a que la guerre dehors. Ce n'est pas Longuet, s'il vous plaît. Longuet n'a rien à voir dans ça. Rien. Est-ce que je n'avais pas le droit de dire que ma petite soeur m'a promis l'argent quand j'étais en difficulté? C'est-à-dire qu'il a attaqué Lady Ponce. Donc je ne dois pas dire si elle me promet quelque chose. Parce que les gens se font passer comme des hommes de cœur, comme des enfants de Dieu. Et moi, je regardais tout le temps la télé, comment elle parlait, je disais que mais c'est pas possible. Il faut qu'on sache qui est cette fille. Et maintenant, les Camerounais ont su qui elle est. Parce qu'il y a des criminels à col blanc qui se baladent partout dehors. Il y a des criminels à col blanc. Je n'ai pas attaqué. Je suis là pour dénoncer, démasquer. Dénoncer et démasquer. Hein? Et dire aux gens que faites attention. Vous êtes entourés de monstres. Vous êtes entourés de monstres. Alors pour vous, certains gens, c'est de la provocation. Parce que tu ne dois plus revendiquer. Hein? Tu ne dois plus revendiquer, tu ne dois plus dénoncer, sinon on te traite de provocateur. Hein? Voilà la chanson que je viens de composer. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Est-ce que ce n'est pas vrai? Si on s'en sortait ici, vous tous là, tous ceux, les gens échouent. Comme ça, il dit que ceux qui ont échoué au pays, ceux qui ont échoué ici, vous comprenez? Beaucoup. Mais si on était bien ici, vous croyez qu'un Camerounais allait prendre la route de l'aventure? Je vois les gars qui partent passer par la Libye pour entrer en Italie ou alors par l'Algérie. Je me demande comment ils font. Hier encore, j'étais avec qui? J'étais avec quelqu'un qui me disait que... une jeune soeur là qui me disait que... Son copain est entré en Italie. Il est passé par où? Je te dis que je suis dépassé. Hein? Il faut avoir les couilles hein, pour prendre la route comme ça. Bon, il ne peut pas. Ou alors il faut se droguer. Mais voilà une chanson qui ne dit que la vérité. Est-ce qu'à l'Assemblée, c'est un jeune? Hein? Depuis 25 ans, que notre grand frère, Kava Yege, est là-bas. Depuis 25 ans, on ne veut pas que Longuet parle. Parce que si Longuet parle, on va le zigouiller.
Mais est-ce que celui qui me tue ne reste pas mourir? J'ai déjà préparé mon cercueil. Vous connaissez mon cercueil? Mon cercueil, c'est le centre culturel Longa Longa. Demain encore, je vais mettre les miroirs partout, au moins de 600 000. Je vais mettre les miroirs partout. Comme je m'en vais au Gabon, là, je reviens, j'achète les climatiseurs, j'achète le groupe électrogène, j'achète même trois groupes électrogènes, je mets là. J'achète, je mets le canapé bien VIP. Comme ça, quand je serai plus vivant, mes fans du monde entier viendront souvent célébrer Longa Longa. Et là, ils vont se mettre à pleurer. Parce qu'ils vont dire, ouais, on a détruit quelqu'un. Imaginez, on n'a aucun espace où on peut aller célébrer notre poète, notre plus grand musicien intellectuel et boalotin. Dites-nous, est-ce qu'il y a un foyer où on peut aller une fois par an, dire que hommage à Eboalotin. Dites-moi. Hein? Moi, je réfléchis donc. Je réfléchis plus que ceux qui ont le doctorat, la licence. C'est la même chose que j'ai réfléchi et j'ai pris le net. Je suis revenu sur la scène. Là, on me paye maintenant partout. Hein. Vous pouvez pas imaginer. Il y a un DJ qui a dit là que ça, c'est quel argent que tu dis que tu joues partout. C'est le blanchiment d'argent. Blanchissement d'argent. Mon frère, la musique paye. La musique paye, tu peux pas imaginer. Grave, quand tu le fais bien. Même les mêmes levées, si, les mêmes levées, les dons que les gens te donnent. Demande, surtout à ta sœur, elle va te dire, la musique paye, quand tu fais bien la musique, va aux Zaïre, les plus riches, c'est pas les footballeurs, c'est les musiciens. C'est les musiciens, va aux Zaïre. C'est les musiciens. Donc mon frère, où je suis là, mais comme je sais que je vivrai longtemps, parce que Dieu va me faire vivre encore au moins pendant 30 ans. Donc à mes 76 ans, si je pars à l'âge de mon père, c'est que c'est bon. Avec mon père, il est mort, il avait 76 ans. Je crois qu'il a vécu. Donc, et là maintenant, j'ai 44 ans. C'est-à-dire que si elle vit encore 32 ans, non, c'est même beaucoup. 32 ans, c'est encore beaucoup même. Si elle peut vivre 20 ans encore, mon frère, je mange la vie jusqu'à le feu sort. Je mange la vie jusqu'à, dis donc, la vie de ma mère. Hein? Les problèmes avec les artistes, ça existe depuis. Je me souviens que la sœur Annie Anzo était partie du groupe Zangalewa. À cause d'un malentendu. Papa Zoé Papillon ne se parlait plus parce que Papa Zoé qui avait chanté Bola Nenemba Kapona pour la langue. Ingenemba Kapona Ngoy. Go sauter. Goy. Go sauter. Et Papillon a fait réaliser le clip par un gars là où c'est Tonton Colosse. Il est à Washington. Ouais, il est à Washington. La guerre avec les artistes, ça existe depuis. Les ennemis. Papillon ne parle pas avec Petit Pays, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Il a même déjà proposé à Petit Pays que, bon, faisons un concert. Petit Pays a tout refusé. Vous comprenez? Philippe Miloko ne s'entend pas avec Petit Pays, ça fait combien d'années? Samy Diko ne s'entend pas avec Petit Pays, ça fait combien d'années? Paquito ne s'entend pas avec Petit Pays, ça fait combien d'années? Ouais, je vais citer encore qui? Je vais citer encore qui? Dites-moi. Allez à Yaoundé, vous allez voir que beaucoup d'artistes ne se parlent pas. C'est la guerre entre artistes. C'est la guerre. Pourquoi vous croyez que oh, Longa Longa attaque tel, oh, Longa Longa fait ceci, oh, Longa. Dites-moi. Je ne veux pas citer certains gens. Mais Manu Bella ne parle pas avec ma mère qui est à Paris là-bas. C'était la guerre jusqu'au tribunal. Pourquoi quelqu'un comme Longa Longa qui est là pour dénoncer, vous croyez que c'est un fouteur de troubles? Hein? Vous-même raisonnez un peu. Moi, je dénonce. Mais les gens viennent sur la toile pour parler de sauvagerie, pour régler les problèmes entre copines, tout ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour dénoncer et démasquer. Parlons vrai. Hein?
Parlons vrai. Vous vous rendez compte? Ouais, vraiment, le Cameroun. Oh, mon pays. Même si vous êtes fâché n'importe comment, oh, ne brûlez pas, oh, ne brûlez pas mon pays. Même si vous êtes en colère n'importe comment, ne cassez pas, oh, ne cassez pas ma partie. Mon frère, mes frères, moi je suis là. Je dénonce, je revendique. Ça a commencé comment? Moi, je faisais mes vidéos, en faisant une blague aux gens, que voilà, vous qui mangez les beignets haricots, en demandant à M. Dutton, que voilà, ça va ici, oui, elle dit ça va, on vous paye combien? Hein, on vous paye peut-être 200 000, mais 200 000 c'est rien, hein. Vous serez aux États-Unis, vous gagnerez trois fois plus. Il y a des gens qui ont dit que non, c'est les insulter. J'ai dit que. Il y a les sorciers. Oh, tu as insulté les filles là. Il y a une femme aussi moche qui fait les vidéos sur la toile. La toute première femme qui a fait la vidéo pour me dénigrer, pour dire que on pouvait. Elle est moche. Si déjà à la télé tu es moche, en vrai alors tu seras comment? Parce que la télé a rangé les gens. Hein? La caméra a rangé les gens. Si déjà à la télé, là, quand tu vois la télé, madame, vous êtes affreuse. En vrai, vous savez comment? Les gens vont fuir en haut. Les gens vont fuir. Et même, elle a même fait le persil. Même comme ça. On dit que, oh, la sorcellerie donne même quoi aux gens. Balalouba. Oh, libérateur libéré. Donc, mes frères, moi, ce que je voulais dire, que. Il faut bien écouter. J'ai mon frère, quand je dis frère, mon vrai frère, Feyou Eric Attan de Londres, qui a écouté la vidéo d'une de nos sœurs, que je crois qu'elle pète des plombs déjà, que ça ne va pas. Je crois qu'elle pète des plombs, ça ne va pas. Elle a un problème parce que quand on n'est pas stable, donc, on n'a pas les enfants auprès de soi-même, on n'a pas un mari. On est perturbé, tu vois. Hein? Parce que je vois quand même d'autres filles qui font les vidéos, il y a les enfants dans la maison, il y a le mari. Voilà. Et vous voyez comment elle ne dégame pas. Ça ne va pas dans tous les sens. Voilà. Moi, mon frère fait m'a dit, on ne répond pas. Les gens m'ont dit ne réponds pas. Mais moi, je ne voulais même pas répondre pour la guerre. Vous avez vu comment j'ai répondu par rapport à ma soeur Lady. Je n'ai pas répondu que, oh, voilà, tu es une chienne, tu es une salope. Non, je n'ai pas répondu comme ça. Je réponds. Moi, j'apporte les réponses. Les réponses. Oui. Par exemple, Le gars n'est jamais entré aux États-Unis avec son vrai nom. Demandez-lui qui poste son visa. Si vous voulez prendre mon passeport, ma photocopie de passeport, pour amener quelque part, parce que je sais qu'il y a des artistes qui te montent, je ne le ferai pas. Mais aux États-Unis, on n'entre pas avec les faux papiers. On n'entre pas avec les faux papiers. Toi-même, tu as monté le visa. Ouais, on m'a dit de ne pas répondre. Donc, je ne suis pas en train de répondre, mais je suis en train d'apporter, d'éclaircir. Le président a montré son visa avant d'aller aux États-Unis. Vous-même, vous avez dit, on n'entre pas aux États-Unis avec les faux papiers. S'il vous plaît. On peut encore entrer en France, mais pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. S'il vous plaît. Et même dans toute l'Europe, les faux papiers n'entrent plus. Les doublures, ça n'entre plus.
ça n'entre plus. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision. Et je n'ai jamais été marié à Bordeaux. Je n'ai jamais été marié à Bordeaux avec une femme blanche. Je me suis marié avec une femme étonne. Elle s'appelle Ebene Massi Chantal. Jeannette. Ebene Massi Jeannette. Elle avait un autre petit nom, Chantal, qu'on l'appelait comme ça. Et d'autres l'appelaient affirmatif. Hein? Maintenant, et sa nièce s'appelle Ursule Massi Bikobo. Voilà les deux personnes avec qui j'ai eu des problèmes à Bordeaux. Et que j'ai indemnisé. Je n'ai plus rien. La France apprécie les gens comme nous. Hein. Oui, les gens comme nous. C'est-à-dire parce que eux-mêmes, ils savent que nul n'avait un suiveur. Pardon. Nul n'avait un suiveur dans sa vie. Les Français le savent. Voilà pourquoi ils font toujours dans la réinsertion sociale. Ils font toujours dans la réinsertion sociale. C'est là, c'est dans le code. C'est-à-dire quand vous voyez le livre de l'administration pénitentiaire, il y a tout ça. C'est-à-dire le même jour qu'on vous condamne, le même jour on commence à tout faire pour préparer votre réinsertion. C'est ça la France. Contrairement aux Noirs, que si tu fais une bêtise ou tu commets une erreur, ils cherchent à te brûler. Et c'est ça les gens que je vois, les pourritures qui parlent sur la toile, tout, qui ne veulent pas oublier une histoire que Longa a assumée et a payée. Longa a assumé et il a payé, et je suis un exemple en France. Vous avez vu quand j'étais en détention, sur huit ans, j'ai même pas fait 2 ans, je sortais déjà en permission. Si vous voulez, commençons, j'ai été condamné le 17 septembre 2011. Et mon premier concert au Biblos, quand vous voyez Longa enflamme le Biblos, allez-y encore sur la toile, vous voyez quel jour je suis sorti. En moins de 24 mois, j'étais déjà dehors. J'ai dit bien condamné le 17 septembre 2011. 17 septembre 2011, que j'ai été condamné définitivement en appel. À la cour d'appel d'Angoulême. Hein? Et j'ai bénéficié d'une permission de sortie. Que va dormir avec tes enfants. On appelle ça une perme familiale. Perme familiale. Je suis allé dormir avec mes enfants, la mère de mes enfants. J'ai dormi à l'hôtel Ibis. Ibis. Où ma madame Jeannette qui là oh putain la maman là, bref, à la porte de Clichy, Ibis, porte de Clichy, demandait à Isha Sol, les gens qui disaient que il dormait, non, attendez, c'est le premier jour là. Je dors à la porte de Clichy. C'est Aïcha qui vient me chercher. Aïcha et ma banque, ça. Voilà les deux personnes qui sont venues me chercher. Faites attention. Voilà les deux personnes qui sont venues me chercher. Je dis bien la première fois quand je sors, je joue au Biblos. Jupé Remingan nous a retrouvés après. Parce que lui, il avait négocié le contrat du coq noir. Et Aïcha avait négocié au Biblos. Je sors, quelqu'un est enfermé. Il sort, le corps noir m'a payé 1000 euros. Le Biblos m'a payé 1500 euros, ça me faisait 2500 euros. Donc j'ai d'abord joué au corps noir. On m'a payé mes 1000 euros. On m'a faroté 2000 euros, ça fait 3000 euros. Je suis allé après enflammer le Biblos. J'ai pris mes 1500 euros de cachet d'abord. Et on m'a faroté encore 3500 euros. Comptez maintenant. Pour quelqu'un qui est enfermé. Dites-moi. Et les spectacles se sont enchaînés. Quand je jouais au palais de congrès de Montreuil, avec l'André Marie Tala, les Manu Dibango, je suis toujours sorti en permission. Hein. J'étais toujours incarcéré, je sortais. Et cette fois-là, au palais de congrès de Montreuil, on m'a payé 2500 euros, s'il vous plaît. 2500 euros qu'on m'a payé. Je suis sorti aller jouer au palais de congrès de Montreuil. 2500 euros. 2500.
Je suis sorti 10 fois. 10 fois en permission. J'ai dit bien 10 fois. 10. Et j'ai passé la nuit sur toutes mes permissions. J'ai passé la nuit une fois chez mon frère J. Point. Une fois. J. Point a un pavillon avec sa femme. Vous savez, en France, tout le monde peut avoir un pavillon. Il suffit d'avoir un CDI. Vous prenez un crédit. On vous donne un pavillon que vous payez en 20 ans ou en 25 ans. Il suffit d'avoir un bon boulot. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc si vous n'êtes pas un feignant, un voyou, vous mettez à travailler, vous pouvez avoir une maison en France. Voilà, donc quand je vois les pourritures, les gens qui les pourris, les filles les plus pourries de Paris, pourries, que le net est venu sauver aujourd'hui, on peut les voir. Ça me fait un genre, franchement. Nous, on a réussi dans le monde réel avant le net. Des disques d'or avec la CIA TV. Quand la CIA TV me donnait mon disque d'or, à l'époque, avec Nadi Patricia, Canal 2 n'existait même pas. Canal 2 vient en 2003. Les Equinox, les RTM, j'étais déjà disque d'or. Moi, en 2001, Ayo Africa. 2003, demandez à Dieu, disque d'or. Toujours. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, les albums qui sont sortis en 2003, demandez à Dieu les albums là, demandez à Dieu, éteigne, écrase toutes les chansons qui sont sorties en 2003 là. Mettez-vous juger un peu. Parce que quand je vais prendre la comparaison, je vais vous citer que bon, il y a tel album qui était sorti en 2003. Est-ce que ça vaut demander à Dieu? Vous allez dire qu'il attaque déjà. Donc je ne peux pas. Vous-même réfléchissez, faites des enquêtes. Quels sont des albums qui sont donc sortis en 2003? Faites des enquêtes. Hein? Faites des enquêtes. Quels sont les albums qui sont sortis en 2003? Et de que demander à Dieu reste un classique. Je ne veux plus citer. Alors, si je cite maintenant, il dit que bon, il y avait tel artiste, il y avait tel album, il y avait. Vous allez dire, ah, vous voyez, il cherche encore les problèmes. Donc, moi, je ne peux plus citer. Vous-même, allez faire vos enquêtes. Allez faire vos enquêtes. Vous comprenez? Allez faire vos enquêtes. Non, moi, je ne vais pas répondre. Mes frères m'ont demandé de ne pas répondre. Mes amis m'ont demandé de ne pas répondre. Mais je ne veux pas répondre que oh, tu es une salope, tu es ceci. Non, je ne réponds pas comme ça. Je réponds intellectuellement, comme j'ai répondu la dernière fois. Et les gens ont dit bravo, Lomé. Tout le monde a apprécié ma réponse. Mais il y avait 10 000 personnes connectées. Quand on me demande, je fais encore les vues. Non, ce n'est pas les vues. C'est des connexions, il faut bien parler français. 10 000 personnes connectées, parce que sur les vues, j'ai les 100 000 vues. Les gens visionnent mes vidéos aux États-Unis, partout. J'ai les 100 000 vues, les 50 000 vues. Voilà la petite vidéo là. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait voir la voiture? Une journée, c'était déjà 18 000 vues. Ça, c'est les vues. Donc, confondez pas entre connexion et vu, parlez bien français, s'il vous plaît. Sinon, allez voir Aline Zomombe, elle va vous apprendre. Allez voir Magazon, comme vous dites. Elle va vous apprendre. Ne vous égarez pas. Il y a une différence entre les vues, hein, et la connexion. Voilà. Donc maintenant, c'est bon. Il faut savoir, vous, quand vous parlez de team de merde, qui donc? Les gens qui ont échoué au pays. Les gens qui ont échoué. Vous avez échoué ici. Mais vous a sauvé parce que peut-être il y avait la tante qui vous a fait entrer. Ou alors il y a un faux blanc égaré en Europe qui est venu vous chercher ici. Ou alors vous avez pris la route de la voiture. Vous avez payé la route.
en nature et en argent. Vous venez parler aux gens qui ont réussi ou vous avez échoué. Moi, j'ai réussi ou vous avez échoué. Vous avez échoué. On a réussi ici, où c'est lui. Et nous sommes encore là, malgré tous les combats. 17 ans après, debout sans être débouté. Barakuda. Dis donc, il me faut rencontrer Didier Arafat. Non. Viens, cherchez-moi le numéro de Didier Arafat. Parce que lui, il est le Yorobo, moi je suis le Barakuda. Donc maintenant, on doit se mettre ensemble. Parce que il est visionnaire. Voilà, le gars, il parle, mais c'est lui qui joue au Bataclan. Les autres vont jouer dans les petites salles à Yobougon, les ceci, cela, tout ça. Les salles de merde. Hein? Arafat, il parle. Mais c'est lui qui joue partout. Hein? C'est lui qui a gagné le prix du coupé décalé. C'est pas Arafat. On lui a donné une voiture qui a une valeur de 20 millions. Quand j'ai sorti Kirikou ici, vous n'avez pas vu les bracelets puis la voiture. Toyota Yaris, nyang nyang. 10 millions, valeur 10 millions. Ils m'ont donné. Vous n'avez pas vu ça? En 6 mois, j'ai conçu du meuble avec l'album Kirikou. Vous n'avez pas vu? Dis donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Si vous avez vos cousins qui font la musique, qui ont raté, vos frères, venez envoyer-les à l'école de la musique. Moi, je vais les enseigner comment on compose des chansons. Il savait lui écrire, mais il ne peut pas écrire une chanson. Comment quelqu'un qui sait lui écrire, mais il n'arrive pas à écrire une chanson. Hein? Une chanson avec plein de thématiques. Hein? Dis-le. Même je suis dépassé, il chante en Douala, il chante en patois, il raconte des histoires, dormi debout, les histoires que tu écoutes, tu es même dérangé. Mais, je dis que, mais, ceci, il sait lui écrire, ça, qu'est-ce qu'il parlait là? Et ça me dérange, je mets son diplôme en doute. Je dis, mais c'est pas possible. Ça sert à quoi d'aller parler du gros français à la radio? Et maintenant, quand il faut déjà soutenir une thèse, vous êtes nul. Vous êtes nul. Ça ne vaut pas la peine. Et c'est les gens comme ça qui sont jaloux des autres. Quand tu veux parler, tu dis que, oh, moi je suis un intellectuel. Hein? Oh, moi je suis un intellectuel. Hein? C'est pas parce que c'est là, moi je suis un docteur. Hein? Je suis dépassé. Hier, j'ai causé avec mon frère Richman, que j'ai présenté. Il a dit que Richman et moi, nous étions à l'Afrique du Sud, réaliser le film Engagement Critique, avec Michael Power, produit par Guinness. Vous vous souvenez, en 2002, la première fois que je voyage dans ma vie, c'est-à-dire la première fois que je sors du Cameroun, c'était pour aller en Afrique du Sud, réaliser le film Engagement Critique avec Michael Power. En tant que co-acteur, un court-métrage, c'était un court-métrage ou un long-métrage, je ne sais pas, réalisé par une multinationale, Guinness Cameroun, s'il vous plaît. Guinness Cameroun. Richman avait eu 4 500 000. Le jeune Valérie Midjo avait eu 4 500 000. Mais quand je regarde aujourd'hui, hein, c'était des gens qu'on a mis par sentiment. Parce que là, regardez, c'est la même chose que j'ai dit à Intermobile. Les ceci. Ne voyez pas quelqu'un briller 2 mois ou ceci, cela. Bon, comme m'a dit le grand frère Jacques Elimi, qu'eux, ils sont là pour suivre la mouvance du temps. S'il y a quelqu'un qui chauffe là, papa, papa, en un, c'est lui qu'on exploite là, là, là. Il s'éteint, une autre personne vient le prendre. Bon, ça va. C'est ce que les marketistes pensent. Que bon, nous, on travaille avec ce qui chauffe. Tant mieux. Mais Valérie Midjo, l'autre là, oh. Comment il s'appelle encore là? Assoma, Hubert Assoma. Nous étions 4 en Afrique du Sud. 4. Et moi j'avais eu 15 millions pour cette affaire. Vous comprenez? J'avais eu 15 millions, ils ont eu 4 500 000. Parce que moi j'étais disque d'or. Nous sommes allés en Afrique du Sud. Maintenant quand vous parlez avec Richman, tout ce qu'il dit que lui il est docteur, il a le doctorat. Bon, oui, bon. Comme il a dit, hein, César Evora a commencé à chanter. Elle avait peut-être 70 ans. Bon, lui, il attend ses 70 ans. Il espère que, bon,
que peut-être tôt ou tard il va exploser parce qu'il a un talent aussi. Moi-même aussi, je crois à son talent. Je crois à son talent. Mais dans le talent, il faut être positif. Il ne faut pas être négatif. Parce que quand on est négatif, ça bloque. Ou ça freine. Vous comprenez? Ça bloque ou ça freine. Moi, je sais qu'il est talentueux. Mais c'était un exemple que je prenais par rapport à lui. Parce que lui, comme petit piment, quand ils veulent parler, ils disent qu'ils sont des intellectuels. Voilà. Mais je ne sais donc pas. Je ne sais pas comment on doit juger un intellectuel sur une œuvre d'art. Je ne sais pas quel critère on doit utiliser parce que ça me dérange un peu, putain. Ça me dérange, il y a lui. Ils sont nombreux, hein. Ils viennent parler quand ils veulent faire des interviews. Ils disent que non, vous savez, moi j'étais à l'école, moi j'ai une éducation. Mais quand tu écoutes leurs œuvres, vraiment, ça, ce n'est pas comme les œuvres de Tchana Pierre, franchement. Ça ne ressemble pas aux œuvres de Tchana Pierre, aux œuvres de Dolly Herwood, aux œuvres de Longuet Longuet, aux œuvres de qui? Ils ne sont pas nombreux, les artistes, quand vous écoutez quand même. Vous écoutez du bon français avec des bonnes thématiques, ou bien autour Marcella. C'est pour ça que j'ai envie. Je veux que quand un artiste veut dire qu'il est allé à l'école, qu'on le juge selon sa philosophie, ses œuvres, ses thématiques. Faut pas venir parler avec la bouche alors que tu dis tu es intellectuel. Mais quand tu veux chanter, maintenant tu chantes Ombanga et Ombangala. Douala et Doualala. Où est l'intellectualisme dans ça? Dites-moi un peu. Hein? Où est l'intellectualisme dans Douala et Doualala? Ombanga et Mangalala. Et tu te mets, tu dis tu es allé à l'école. Mais mon frère, tu n'es pas obligé de faire la musique d'ensemble. Mets ses mains dans ta tête, chante, tu prends même ta guitare, tu joues. Tu prouves aux gens que toi, tu es allé à l'école. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de venir faire le bruit ou bien dis que non, moi, je suis allé à l'école. Mais mets l'école en valeur. Mets l'école avec des philosophies. Hein? Parce que aratatata, ce n'est pas l'école. Tout le monde peut chanter arat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 
mon frère, j'étais en Californie, hein, docteur Toum, proviseur dans un collège à Los Angeles. Il a sorti le vin qui coûte $500. Il m'a dit, longue, je sors toujours ce vin pour les gens qui ont réussi. Et j'ai demandé que, mais docteur, moi j'ai réussi. Il m'a dit que, mais longue, dans ton domaine, tu es docteur. J'ai dit quoi? Il m'a dit, dans ton domaine, Djandjo était dépassé. Le président Djandjo était, dis donc, il était dépassé. C'est là où Djandjo dit qu'on a donné un diplôme, l'université, de Washington, ou de quoi, une université américaine, a donné un diplôme académique à un chanteur. C'est là où il y a une dame qui me disait, Yaoundé, que ça a pididi. Pididi, qu'on lui a remis un diplôme académique. Imaginez, l'université de Douala peut accepter, donner un diplôme à Samuel Eto'o. Alors que quand vous voyez Samuel Eto'o, sa façon de faire, ses réflexions, sa manière d'agir, il agit plus qu'un licencié, plus qu'un docteur. Mais comme nous sommes en Afrique, nous sommes aigris, nous méritons d'aller en esclave en Libye, nous n'allons jamais accepter ça. Vous allez voir quelqu'un qui a la licence qui va dire que Samuel Eto'o, c'est qui? Alors qu'il ne vaut pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, dans son domaine, il est professeur. Donc il a fini l'école, comme le professeur Mendoza. Samuel Eto'o a fini dans son domaine, il a fini au football. C'est ça. Vous voulez qu'on respecte? On respecte ce que vous êtes, ce que vous faites, mais vous ne voulez pas respecter ce que nous sommes. Je suis désolé. Comme a dit un DJ, ce que je demande au DJ, mon frère, je n'ai rien contre les DJ, mais je veux que moi là, si on me nomme à la communauté des grands usagers, à la Sonacam, vous allez souffrir. Vous allez fermer vos boîtes. Et je crois que la Sonacam, je dis que s'ils ont l'intellectualisme ou l'intelligence ou l'honnêteté intellectuelle alors de nommer le barakou d'Alungé. Mof, vous allez jouer tous les soirs Seng Asiko, Seng Ambassibé, Seng Bolobolo, Seng Djang, Seng Samali. Vous allez jouer ou vous allez fermer ou vous allez nous payer cher. Donc racontez ce que vous racontez, le gars s'attaque au DJ, le gars. Tu es même incapable de jouer la musique de ton village. Tu dis qu'il y a un programme. Quel programme? Il y a quel programme? Hein? Tu es Bassa, tu es Bafia. Tu es incapable de jouer la musique Bafia, de mettre même 5 chansons Bafia. Parce que tu te dis que non, les gens vont s'asseoir. Et puis quoi encore? Vous devez obliger les Camerounais à aimer leur culture. Celui qui veut s'asseoir, il va s'asseoir. Parce que ceux qui viennent danser la musique nigérienne, c'est pour séduire les filles. C'est pour faire la fiction. Les filles qui veulent danser, Peremone, Papuchuno, les filles là, elles ont déjà mis la jupe jusqu'ici. C'est les chansons des salopes. Les salopes, positionnez les lasses, positionnez le lolo, positionnez la bouche, vous aillez. C'est les chansons des salopes. C'est des chansons de salopes. Donc quand vous ne mettez pas, parce que les filles là, quand on dit positionner les lasses, vous voyez tout le cul en l'air. Tout le cul. Même les femmes mariées, mon frère, le cul en l'air comme ça, vous y allez les lasses, et comment vous allez commencer à tourner les fesses. Tourner les fesses. Oh, sans scrupule. Sans scrupule, franchement. Pourriture de merde. Hein? Jouez-nous les musiques. Les cœurs, les applaudissements. Les gens peuvent mourir de rire. Je vous dis la vérité, mes frères, on va me tuer. On va me tuer pour vous. Mais je dis la vérité. Quand tu ne mets pas Papuchuno, parce qu'il y a la prostituée là, elle veut déjà commencer à séduire les hommes en boîte. Elle veut déjà la vendeuse de cesse. Elle veut déjà commencer à séduire. Elle paye même les DJ pour qu'ils mettent les musiques là. Les lambadas, les latinos. Voilà.
parce qu'avec ça, elle danse, elle séduit tout le monde dans la salle. Elle ne s'assoit pas. Non, elle va s'asseoir comment? Alors qu'elle est là pour attaquer. Elle ne peut pas s'asseoir. Elle danse. Tu vois, mais le Makossa qui se danse avec tout respect, galanterie. Mouf, elle ne peut pas danser ça. Elle ne peut pas danser ça. C'est pour ça. Mais moi, j'ai dit que moi, si je suis nommé à la tête de la Sonacam, comme responsable de la commission de grands usagers, vous allez souffrir. Moi, je vous dis, je ne suis pas un lâche. Sinon, j'allais rester tranquille, j'attends. Oh, mais non. Mais je vous préviens. Vous allez jouer 5 Asiko, 5 Ben Sikin, 5 Manabe, 5 Bikuti, 5 Abasibe, 5 Bolo Bolo, 5 Dis donc, mon frère, vous allez jouer l'Onjang. Vous allez jouer la musique Bafia. La musique. Vous allez jouer nos musiques. Obligé, sinon vous allez fermer. Ça veut dire renvoyer les DJ au chômage. J'ai dit, allez jouer la musique nigérienne au Nigeria. Je vous te paye le billet d'avion et t'envoie au Nigeria que, bon, va jouer la musique nigérienne là-bas. Je te paye le billet d'avion et te dis que va jouer la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire, va là-bas. Beaucoup de Camerounais ont réussi en Côte d'Ivoire, toi aussi va là-bas. Mais ici, nous voulons les DJ qui jouent la musique camerounaise. Je défends la culture de mon pays. Maintenant, celui qui n'est pas content, hein, va raconter que l'on cherche les problèmes. Je porte ça sur moi. Parce que je porte le caleçon. Je ne suis pas un PD. Bah, contrairement aux gens qui racontent que c'est cela, je ne suis pas un PD. Je suis un homme. Je ne suis pas un PD. Maintenant, si tu crois que je suis un PD, cherche-moi tes cousins. Tu les apportes, je vais les enculer bien. Tu as compris, hein? Voilà, cherche-moi tes cousins. Je vais les casser tous le derrière. Parce que c'est facile d'appeler les autres PD. Mais venez, on va vous montrer comment on traite un PD. Vous avez compris? Des abrutis comme ça, dis donc. Quand on vous donne les leçons, on vous dit comment vous devez fonctionner dans la société. Vous commencez à mener ça partout. Dites que, oh, il cherche des problèmes, il attaque les gens. Mais mon frère, Dieu, mais mon frère, je m'en vais au Gabon. Là, je prends mon vol. Demain, mercredi, je m'en vais au Gabon. Je reviens le 11 et je m'en vais jouer à Bétoir. Je quitte à Bétoir. Je reviens sur Douala. Je joue à un mariage. Le 23. Et ce qui est sûr, j'ai réussi à jouer au mariage. J'ai causé avec mon frère David Teto. Il s'est marié le 27, 28, un truc comme ça. Mais le 29, je serai à Pouma avec tout mon orchestre. Voilà. Et quand maintenant je reviens, janvier commence, je commence à préparer mon voyage pour Paris. Pour l'Europe, bref. Donc attendez-moi en Europe. Mais quand je viens en Europe, ce n'est pas pour faire 2 mois. Hein. Non. Je viens faire 3 semaines, autour d'un mois, je rentre. Hein. On n'est pas ensemble, mon frère. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. On n'est pas ensemble. Moi, je ne vis pas en Europe, je vis ici. Et la chambre où je suis ici, où il y a les habits, maman, moi, je ne vis pas à PK12. Hein. Allez-y à PK12, demandez, on va vous dire. Moi, je ne vis pas là-bas. J'ai loué un studio en ville. Ça me permet de traiter mes affaires facilement. Et c'est ici, dans ce studio, que j'ai eu mon visa américain. J'ai eu mon visa canadien. J'ai fini mon immeuble. J'ai fini tous mes albums. Vous comprenez, hein? Donc, c'est ici. J'ai fait comme les grands directeurs font. Parce que souvent, vous voyez, quelqu'un est directeur dans une grande société, mais il loue la maison à Bonapiso. Mais je ne comprends pas. J'ai dit que, mais, pourquoi le type s'il loue? On vous dit qu'il a un chantier à Coton. Hein, c'est les gens qui ont bien réfléchi. Parce que pour son travail, il faut qu'il soit à côté. Oui. Il faut qu'il soit à côté pour son travail. Et après, il finit sa maison petit à petit. Il rentre donc
doucement s'installer dans sa maison. C'est le cas de Longuet Longuet. La maison, l'immeuble est derrière la maison, elle a le village, tout un village. J'ai tout un village à Pécadouze. Venez, je vais vous amener visiter. C'est pas que si ça, on parle pas, qu'on est des feignants, non. Je suis pas un vendeur de sexe, hein. Je suis pas un trafiquant, je suis pas un escroc. Je travaille à la sueur de mon front. Mais on connaît des trafiquants, on connaît des escrocs, on connaît les vendeuses de sexe. Ça se cache pas. On connaît. On les connaît. Voilà. On n'est pas contre vous, mais on vous connaît. On connaît, on sait que celui-ci est musicien. On sait que celui-ci est escroc. On sait que celui-ci est un voleur. On sait que celui-ci est une pute. On sait. Et accepter. On n'a pas refusé. On ne vous combat pas. Hein. On ne vous juge pas. Mais on sait que voici ce que tel fait. On sait. Oui. On sait. On doit savoir. On doit savoir. Oui. On sait ce que chacun fait. On sait ce que chacun fait. Et si vous avez des immeubles, vous avez des gratte-ciel, on sait que Eto est footballeur. Hein? On sait que celle-ci va au sexe. On sait que celui-ci est un escroc. On sait que l'autre est un féman. On sait ce que chacun fait. Et Dieu bénit chacun dans son domaine. Dieu bénit chacun dans son domaine. Voilà, vous n'allez pas nous empêcher de savoir. Hein? Vous n'allez pas nous empêcher de savoir. Voilà, on ne juge personne. Personne, mais on sait ce que chacun fait. Nous savons. Hein? Je sais, tu sais, il sait. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, moi, je suis là. J'ai mon petit Karambandja à Pécadouze. Je suis en train de tout faire. Aménager. Demain, je ne suis plus là. Le seul conseil, parce que je cherche à me marier. Je veux me marier. Ouais. Je vais laisser, je dis que chaque année, quand je ne serai plus là, vous allez fêter mon anniversaire au centre culturel Longuet Longuet. Le seul artiste qui a un centre culturel. Le seul. Il n'y a pas deux. Si un autre artiste ouvre un centre culturel, le mystère des arts et de la culture va fermer. Parce que ça sert à la tricherie. Oui, ça sert à la tricherie. Pourquoi Manu Bango n'avait pas ouvert un centre culturel depuis? Dites-moi. Pourquoi Richard Bonanna n'a pas ouvert un centre culturel? Pourquoi qui? Dis donc. Les Harry de Congo, les petits pays n'ont pas ouvert les centres culturels. Ils ont ouvert les maisons de location. C'est tout. Le seul artiste qui a ouvert un centre culturel, c'est Longuet Longuet. Et vous devez rappeler ça tout le temps. Là, j'ai mis 5 jeunes en studio. Hein. Dans l'album, ne brûlez pas mon pays. Hein. 5. 5 à la fois. L'album est à Abidjan. L'album arrive. Je vous dis toujours ça tous les jours. On croit que c'est la blague. Moi, je ne blague pas dans mes choses. Hein. Je ne suis pas un blagueur. Pour ceux qui me connaissent, on sait que le gars là. Pour ceux qui ont vu mon spectacle au Festichop, ils ont confirmé. Le gars, si, personne ne peut l'arrêter. Il a dit que c'est parce qu'ils savent que je suis fort qu'ils veulent m'empêcher de passer. Il fallait voir comment la foule était en l'air. J'ai mis tout le monde d'accord. Tout le monde. Je veux bien que je me retrouve sur un plateau avec les jeunes filles. Ils vont voir le show. Ils vont voir ce que c'est que le live. Le live. Avec le show et les trucs, tout et les discours et tout. Je veux me retrouver un jour, je veux me retrouver sur un plateau avec eux. Pas le playback, hein. J'ai dit plateau en live. Pas les histoires que vous chantez, les filles chantent, wow, vous croyez que c'est le show. C'est pas le show. C'est pas le show. Hey, attention, il y a des gens que je respecte ici dans le show, hein. Sur la scène. Hein. Il y a un monsieur comme Dédé Yango, ne blaguez pas avec lui sur scène. Hein. C'est un monstre de la scène. Avec la guitare, la danse, le chant, les discours. Faites attention. Oui, ne blaguez pas. Hey, mon frère, quand c'est bon, moi, il dit c'est bon. Et quand c'est mauvais, il dit c'est mauvais. Ça n'empêche qu'ils disent qu'il a mais 11 millions. Mais il dit que c'est un monstre de la scène.
C'est un monstre. Ne tentez pas. La preuve, voilà pourquoi depuis 30 ans, 35 ans, il est toujours là. Il est toujours là. Hein? Il y a aussi le grand fait petit pays. Il fait le show. J'aurais vu faire les grands écarts. Allez, pop! Collègue de la salle. Merde. J'ai vu le grand frère Moudi faire les montées. Beaucoup d'artistes ne montent pas. Ils chantent comme ça avec les grosses voix, comme s'ils ont avalé le crapaud. Mais Moudi, c'est l'un des chanteurs qui monte. Qui monte. Voilà. Moi, je suis un chanteur, je connais qui chante. Je ne suis pas là pour les histoires, pour avoir le succès, mais c'est que bon, c'est pas un chanteur. C'est pas un chanteur. Je parle en tant que vocaliste maintenant. Pas les histoires que je vois. Music Town a pris les Laura Dev, on a mis comme jury. Laura Dev connaît la musique. Elle connaît la musique, elle peut juger un chanteur. Vous venez, vous prenez vos relations, vous mettez dans les podiums. Voilà pourquoi tous les chanteurs de Music Town sont les albums passent dans l'eau. Celle qui a gagné en 2016, elle est où? Depuis ça passe à Trace TV, on n'écoute même pas. On n'écoute même pas. Dis donc, amenez vos histoires là-bas, dis donc. Vos histoires de caca, de Music Star, tout ça. Hein? Prenez le vrai jury. Hein? Depuis que le gars a gagné, il y a encore qui? Maintenant, vous allez vous accrocher sur le quatrième. On dit que oui. Oh, Dynasty, il est passé par Music Star. Ouais. Mais vous laissez les premiers, vous allez vous accrocher maintenant sur les troisièmes, les quatrièmes. Mais le premier, donc, c'est à quoi? Dites-moi. Le premier, c'est à quoi? Bon, donnez alors une voiture à Dynasty aussi. Si vous, maintenant, vous venez vous accrocher sur lui. Parce que je vous ai dit que les brasseries n'aident pas. Parce que quand vous êtes là, vous dites que c'est grâce aux brasseries, les brasseries. Ils sont là pour faire leur business. Ils ne sont pas là pour aider les artistes. Font pas, ce n'est pas la main du salut. Hein. Ce n'est pas la main du salut. Ils ne font pas dans le social. Tu es bon, on s'accroche. Donc tu peux être dixième. Si tu es bon, les brasseries vont venir te chercher. Et le premier, si il est zéro, on t'oublie. Moi, j'étais un premier fort. Fort. C'est comme ça que j'ai arraché la voiture avec la force. J'ai arraché. Même si mon grand frère, tonton Jacques, va me reprocher certaines choses, que ne tient pas certains discours. Grand frère, sur un niveau que les brasseries m'appellent, on m'appelle plus, moi, il m'en sort. Je m'en bats les couilles. Je n'ai jamais dit qu'on enlève Bitom au travail. Hein. J'ai dit qu'on enlève au poste de musique, responsable musique, on l'enlève. Oui, j'assume. J'ai dit que enlever Bitom, parce qu'à l'époque, c'était Sylvain Gondji qui était là. Et quand j'ai fait fort, Sylvain s'est aligné, on a organisé le disque d'or, on m'a donné tout. Ça, Sylvain, là, dans ce domaine-là, vraiment, il était... Quand c'était bon, c'était bon. Mais concrètement au grand frère Bitom, il m'appelle pour venir jouer à Musita pour 300 000. Moi, le gars, vous êtes malade, je préfère aller jouer à Luma 800 000. Dis donc, moi, je ne peux pas aller jouer à dans un funérail, à Bansoa, on me paye 600 000. Et même jouer avec une multinationale, on m'appelle, on dit qu'on a 300 000. Vous êtes des Libyens au Cameroun. Vous êtes des Libyens. Dis donc. Ils ne sont pas là pour aider les gens, hein. Je vous dis. Hein. Ils ne sont pas là pour aider. Je dis que voilà la preuve. Dynasty n'a jamais été vainqueur. Il n'a jamais été vainqueur. Il était lauréat. Comme Gendo Slonga aussi était lauréat. Gendo Slonga était lauréat. Mais aujourd'hui, comme Dynasty a percé de lui-même, ils sont quittés à aller s'accrocher. Dit que Dynasty est passé par le concours Music Star. Comme ça, pour attirer les jeunes. Pour attirer les jeunes que. Il n'y a que le concours musical qui lance les jeunes. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est la même chose qui se passe même avec le grand Femmoudi. Quand tu es chez lui, c'est là, peut-être n'a pas payé, il vous chasse. Quand tu réussis demain, il se met à la télé, il dit, vous voyez tous, ils sont passés par ici. Ce sont des ingrats, n'importe quoi. Alors que hier, ils étaient des mauvais anges. Aujourd'hui, ça devient que ce sont des... Je dis que c'est... Les Africains aiment toujours exploiter, ils aiment utiliser les gens comme esclaves. Donc, quand vous parlez de la Libye, même ici, il y a des gens qui utilisent les autres comme des esclaves. Tu deviens son esclave toute la vie.
à vie. Faut que chaque jour, partout, tu pars, tu joues à son nom. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis désolé. Moi, je suis là pour dénoncer. Maintenant, celui qui veut parler, ça part, parle. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Il a dit que si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de la voiture? C'est une bonne question ou une mauvaise question. Même si le président de la République se met devant moi, il dit, président, monsieur le président, bon, on dit, on demande aux jeunes de ne plus voyager. On demande aux jeunes de ne plus prendre la route de la voiture. Bon, trouvez-nous du travail. Où sont les ordinateurs que vous nous avez promis? Hein? On a dit où c'est 15 000 emplois pour les jeunes, mon frère. Où est le travail? Alors qu'il y a du travail, hein? Monsieur le président, il suffit de descendre sur le terrain avec une équipe. Dites-moi que le gars, bon, dans ton domaine, essaye de nous dire, essaye de voir qu'est-ce qu'on peut créer pour que les jeunes s'occupent. Moi, je vais créer. Hein? Faites-nous confiance. Donnez-nous du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez encore douter de la capacité de Longuelonga? Vous allez encore douter? Après 17 ans de travail, vous allez douter encore avec tout ce que j'ai compris? J'ai eu des prix au Bénin. Hein? J'ai eu des prix un peu partout, malgré que j'ai eu des déboires. Regardez comment je suis encore debout. Les gens m'appellent, on me paye 1 million. Alors que les jeunes artistes, à peine ici, même 300 000 pour chanter quelque part. Vous vous rendez compte? Est-ce que le ministère des Arts ne peut pas m'appeler que l'on vienne? Il faut qu'on travaille avec toi. Alors dis-nous, tu penses qu'on peut faire comment? Je vais commencer à dire d'abord qu'on construit les salles de musique dans chaque lycée. Voilà! Que construisez les salles de musique dans chaque lycée. Que les jeunes commencent à apprendre la musique à la base. À la base, vous allez voir que d'ici, regarde, il y a 15 ans, les jeunes ne parlaient pas anglais comme maintenant. Maintenant, c'est l'anglais qui domine le dehors, dans la musique. Vous-même, regardez. Hein? Regardez, parce qu'on a commencé à enseigner l'anglais partout. C'est la même chose. Appelez-moi, appelez Sergio Polo, appelez Petit Pays, appelez Lady Ponce. Travaillez avec ces gens. Subventionnez-les. Vous leur dites, ok, il faut que chacun d'entre vous essaie de nous dire, apportez-nous des projets. Moi, je viens avec mon projet, je dépose. Je ne demande pas que vous me payez. Non. Tout ce que vous allez faire, c'est bien subventionner que je sorte l'album. Comme Aïe, j'avais subventionné les commerçants à l'époque. À l'époque, j'avais subventionné les James Onobiono, les Kadi de Fosso, les Fosso Victor. À l'époque. Aïe, j'avais subventionné les commerçants. Maintenant, l'argent que vous donnez au ministère, comme moi, le gars, je viens, on me donne 6 millions. Pendant qu'un faux musicien qui n'a jamais chanté, lui aussi, vient, on lui donne 6 millions, 4 millions. Il n'a jamais chanté. Comme tout le monde dit qu'il n'y a pas de grands artistes, il n'y a pas de petits. Il y a des petits. Dans la musique, il y a les grands musiciens, il y a les petits musiciens. Il faut l'accepter. C'est comme dans le football, il y a les grands footballeurs, il y a les petits footballeurs. Tout le monde n'est pas Samuel Eto'o. Tout le monde n'est pas Samuel Eto'o. C'est ça. Quand c'est quel artiste encore qui passe à la télé? Il y a déjà trop d'artistes dans ce pays-ci. Rien que son accoutrement montre vraiment ce qu'elle est. Regarde, une femme indombolisée, une femme incocolisée, elle a porté un truc qui montre toute sa poitrine dehors. Bref, tout son corps est dehors. Voilà, regardez alors. Regardez l'image de chanteuse. Voilà pourquoi une fille comme Charlotte Dupanda, quand je regarde, je respecte. La chanson, si. Je n'ai pas la chance avec les hommes. Papa, oh, c'est Charlotte Dupanda qui allait interpréter ça. Mais elle m'a dit que Longuet. D'ailleurs, elle chante un petit bout dedans. Hein.
À force de chercher, on finit par trouver. À force de forger, on devient forgeron. C'est Charlotte du Panda qui chante comme ça en studio. Mais je lui ai demandé, Chili, pourquoi tu avais refusé de chanter la chanson-là? Elle me dit, Longa, ma grand-mère vit encore. Ma mère ne vit plus, mais ma grand-mère vit. Comment dans une chanson, il dit, je connais tous les hôtels de Douala. Je connais toutes les chambres de Paris. Tous les hommes de Douala m'ont déjà mangé. J'ai déjà sucé toutes les cannes. Charlotte du Panda dit que Longa, moi, je ne chante pas les chansons comme ça. Et le temps lui a donné raison. Parce que écouter sa musique, aucune sauvagerie, et regarder son vestimentaire, quand elle met les robes de classe, elle n'a pas envie de montrer ses jambes. Elle est belle, hein, si vous la voyez, hein, 1m80. Elle est belle, bien élevée. Elle a. Dis donc, je dis, hein, Charlotte, c'est ma fille. C'est Nana Payon qui me dit que Longuet, Charlotte du Panda, a fait un témoignage sur toi. On lui a posé la question à la radio que quels sont les gens qui t'ont soutenu dans tes débuts. Elle a dit Longuet, Longuet, Papa Zoé. Parce que je me rappelle de ce jour dans ma chambre de 5000 assis cacao, où j'ai acheté le plat de Mbongo, 350. C'est la maman Bassa, là, on a mangé. Charlotte me dit que non, je m'avais suivi ma grand-mère à Ngarwa, ou c'est à Consaba. Je lui ai dit que non, ne pars pas. Voici 500. Va écho de Bonadjo. Tu dis à Petit Logo que c'est moi qui t'envoie. Et c'est comme ça qu'elle part écho de Bonadjo. Directement, le patron de Bonadjo la voit chanter. Pape, on l'embauche. On l'embauche. Papa Zoé de passage, un jour, il va au cabaret. Il voit la fille chanter. Il dit que toi, je t'amène au Rorsi. Donc, ça qu'il amène Charlotte au Rorsi. Après, encore le Kwakaza, qu'il amène en Europe et tout et tout. Voilà la vie de Charlotte. Hein. Voilà la vie de Charlotte. Et elle a dit, je ne peux pas chanter les chansons comme ça. Ma grand-mère vit encore. Par respect pour sa grand-mère, pour elle-même. Mais regardez le fils se mettre à la télé. Chanter les sauvageries, monte le corps dehors. Les gens dansent aussi. Comme si on les a vendus. Les gens dansent. Regarde les cuisses. Regardez comment les gens... Regarde les fesses. Même pas les cuisses, c'est les fesses. Donc, Jansa a des Noisy ici. Ici, est un peu bizarre. Porter les matériaux, venez dire qu'on fait de la musique. Regardez. Ouais, regardez. Saleté comme ça. Où c'est quel artiste, ça? Ouais, vous allez me tuer. Vous les Camerounais, là. Ouais. La sorcellerie, vous dormez quoi? Je peux faire comme ça, mon direct, s'il ne reste pas. Quels sont les trucs qui sont devant mon écran comme ça? Je ne vois pas les écrits. Il fait comment pour enlever ça? Il peut faire comme ça, là, je n'enregistre pas le direct hier. Mais il fait comment pour enlever les trucs qui sont sur mon truc? Quand je sors un peu. Voilà, c'est ça, c'est bon maintenant. Voilà. Alors... Que l'on est, tu ne fais rien. Ça veut dire quoi? Demandez à la MAFO. Non, je demande quoi? Vous n'avez rien à dire. Que quoi? Celle qui t'a appris à faire le direct? Non, mon frère, non. Ce n'est pas faux que j'ai vu Mafo faire le direct à Washington. Et j'ai demandé que c'est quoi ça? C'est vrai. Moi, je ne suis pas un arriviste. Que s'il y a quelque chose. Je savais pas. Je connaissais les vidéos. Parce que je faisais les vidéos. Le président Django me disait, bon. Fais les vidéos, tu annonces que bon, Longuet, Longuet sera à Washington, c'est ça. Mais je n'avais jamais vu le direct. La première fois que je vois le direct, c'était Mafo qui faisait le direct à Washington. Ouais. Il demandait c'est quoi. Il me dit que non, les gens sont en direct, on te regarde, voilà, voilà. Mais la personne qui m'apprend comment faire le direct, c'est le président Belinga à Yaoundé.
Je vous ai dit ça dernièrement. Parce que ma vidéo de Eton, j'avais fait et j'ai envoyé à Eddie Boucan. Donc quand je faisais mes vidéos, j'ai envoyé à Eddie Boucan à Dubaï, ou à Feyo Rigaitan à Londres, ou à Mebem Boma à New York. C'est elle qui balançait. Voilà, mais le tenant qui balançait mes directs. C'est après que je demande au président Béni Gakeme comment on fait, et puis il me montre que non. Quand tu as derrière l'image, tu tapes ici. Quand tu tapes là, tu tapes Facebook se présente. Il y a Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, tout. Donc, mais tu tapes sur Facebook. Maintenant, ça te met publié, tu publies. Le président Bellinga, il a Yaoundé, s'il vous plaît. Non? Mais la première fois que je vois une personne faire le direct, c'était moi faux. Mais ça ne m'a rien dit parce que je ne pensais pas faire le direct. C'était pas dans mes projets. Non, ce n'est pas. Elle m'a appris, c'était pas ma relation. C'est Djadjo qui invite ma faux aux États-Unis. C'était pas, je la connaissais pas. Et comme elle n'avait pas la greffe, elle avait que les nattes sur la tête, toujours là. Elle n'était pas. Parce que je connaissais quand même une fille qui parlait de Nathalie, quoi, qui reprochait Nathalie, quoi. Là, je connaissais, on m'a dit que c'est elle, Fleur de Lille. Voilà. Mais le jour là, à l'aéroport, franchement, avec une robe noire, avec des babouches aussi. Un peu bizarre avec elle n'avait pas encore même le dansant avec elle n'avait pas mis tous ces trucs. C'est le soir de la soirée qu'elle a mis sa greffe, elle a mis ses accessoires artificiels, tout. Elle s'est métamorphosée. Et c'est moi qui présente. Donc voici pour vous la reine mère. Les gens disaient que mouf, on la veut pas, tout ça. J'ai présenté. Vous comprenez? Alors pourquoi quand moi je dis. J'ai dit que ceux qui ont échoué dans le monde réel veulent réussir dans le monde virtuel. Compresseur ne se fâche pas. Pourquoi? Dites-moi. Compresseur ne se fâche pas. Pourquoi? Ne dis pas que le gars m'a insulté. Pourquoi? Elle achète les problèmes. Et c'est dommage. Hein? Parce que moi, je connais mes frères de l'Ouest comme des gens dignes, des gens intègres, des gens nobles. Vous comprenez? Vénérer, comme ça là, une fille. C'est-à-dire, je ne sais pas comment elle peut la qualifier. Vénérer une personne comme ça, dit que notre mafou, je me suis lancé, on m'a dit que c'est reine-mère. Mais je dis que si vous allez prendre une pourriture, vous mettez comme reine-mère. Parce que cette mère tape la main sur la toile, elle fait des trucs, elle dit des trucs. Je suis désolé, franchement. Moi, je respecte beaucoup mes frères de l'Ouest, hein, parce que j'ai beaucoup de reconnaissance envers mes frères Bableké. Mais vraiment, je suis désolé, hein. Je suis très, très désolé. Je regarde, je dis que ce n'est pas possible. Oh, les Bablékés ne peuvent pas laisser à la tête une fille. Elle ne peut pas représenter la tribu Bablékés. Puis on m'a dit qu'elle allait déterrer les crânes. Venir montrer sur la toile que voilà les crânes ici. Mon frère, mais vous parlez déjà un film de Banga. Vous parlez déjà un film de la drogue. Mais ça dépasse la drogue. Vous apprenez les crânes, qui est une coutume chez les Bamlékés. C'est une coutume chez les Bamlékés. On ne sort pas les crânes comme ça. Hein? Il faut être comme t'as vendu. Moi, je n'ai pas envie de répondre, franchement. Moi, je n'ai pas envie de répondre. Mais je dis que oui. C'est chez elle que j'ai vu la première fois. Que oui, voici le direct. J'ai vu, oui, c'est pas faux. Mais ce n'est pas moi qui l'avais amené. Elle ne travaillait pas pour moi. Elle travaillait pour Djadjo. Mais on ne peut pas dire qu'elle faisait ceci pour moi. Non, moi, je ne la connais pas. Elle m'a même demandé à Djadjo que, mais comment Djadjo? Mais il dit qu'il a payé le billet d'avion. Il était dépassé. Il a dit que, ben. Et c'est mon frère, Feyou Eric Gata, qui me disait que non. Prends-la au sérieux. Parce qu'eux, ils savaient d'ailleurs ce qui se passe sur le net. Moi, ils ne savaient pas. Ils me disaient que non, la fille qui est à côté de toi, là, vraiment. Ne la néglige pas. C'est la reine, mais elle est populaire, elle est ceci. Je ne comprenais pas. Mais j'ai dit un jour à Djadjo que ce que la fille a fait sur la toile, là, le jour que moi j'ai commencé à faire ça, je vais l'écraser très loin. Vous avez vu, en 4 mois, la personne qui va faire 10 000 personnes connectées, j'ai dit 10 000, il vient lui dans 1 million. 10 000, un jour comme ça. Si vous voulez, dites-moi, je m'avais déposé les 1 million quelque part.
pour prendre le record de Loguin Loguin. 10 000 personnes connectées. Je m'en vais déposer les 1 million quelque part. La personne qui fait 10 000 personnes connectées prend les 10 millions. C'est-à-dire qu'il a battu mon record. Pour le moment, c'est moi, Isenborg. C'est moi, Isenborg, c'est moi, le record. Dis donc. Il n'y a pas d'eux. Je vous que vous avez fait 10 000 personnes connectées, dis donc. Il faut laisser ça. Il n'y a pas d'eux. Tu as disque d'or dans le monde réel. Tu viens sur le net, tu as encore disque d'or. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Oui, 11 000. C'était 11 000, ça a baissé, je sais. C'était 11 000, mais c'est pas grave, gardons les 10 000. Parce que ce n'est que les photos de 10 000. J'ai mis ça dans un cadre, un gros cadre. C'est là-bas au centre que tu es à vie. Le record du direct, c'est écrit comme ça. J'ai un gros cadre, hein? Cadre photo de luxe. Le record du direct en 2017, Longuet Longuet fait 10 700 vues quelque chose. Parce que c'était à 11 000, ça a baissé. Donc, ne comptons plus ça. Calculons plus les 11 000. Mais si quelqu'un a la capture des 11 000, il m'envoie ça. Il m'envoie. Comme ça, je vais aller plutôt refaire. J'ai mis ça dans un cadre de 50 000. À côté de la photo du couple présidentiel guinéen. La photo, je suis avec Teodoro Obiang et madame. Vous voyez, et madame, voilà, le seul couple présidentiel qui m'a accordé une photo à la présidence. Donc j'ai mis ça à côté, côte à côte, c'est un diplôme, dis donc. C'est un diplôme, ce n'est pas donné. Même les jeunes là, tous les jeunes là, ils ne peuvent pas faire 10 000 personnes connectées. Je dis que tous les jeunes là, ils ne peuvent pas. Dis donc, ils ne peuvent pas. Donc il faut respecter. La seule personne qui veut respecter personne, c'est votre pourriture de quoi là. C'est ça. Non, ça va. Hein? Donc, c'était ça. Vraiment, dites à nos DJ, les Camerounais, tirez les oreilles de nos DJ. Bon, moi je vais dormir parce que je fais ça parce que dans la journée, je n'ai plus le temps de faire les directs. Et là, il faut donc dire aux gens que je ne suis pas chez moi à Pécadose. Je vis à Bopi, donc après le marché Bopi, derrière Hôtel Diplomate, ancien Hôtel La Maturité. Je vis là depuis 3 ans. Donc quand vous me voyez en ville là-bas, ne croyez pas que je pars de PK12, non. Je vis ici à Bopi. Voilà, parce que c'est facile pour moi d'aller traiter mes affaires. Il y a trop de bouchons. Je ne sais pas qui avait autorisé les motos dans le pays ici. Les motos ont pourri la ville. Pourrir la vie. Voilà, donc, je suis là, et c'est pour ça que vous voyez donc qu'il y a les habits partout, parce que c'est un studio que je loue. C'est normal. C'est un truc de passage. En attendant que je finisse tous mes trucs, je rentre à Paris, mon frère, je ne vais pas aller louer des appartements meublés. Je ne suis pas un arriviste. Je pouvais louer une maison de 100 000, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, je suis célibataire du si. Hein? Je ne suis pas marié. Mais bientôt, je vais me marier. Je vivais ici, bien, avec Anna Montana, tout, bon. Ça n'a pas marché avec Anna Montana, que j'aime beaucoup. Et elle m'aime aussi beaucoup. Tu vois? Bon. D'autres se disent que, bon, elle est partie, ou bien, non. Ça m'écrit comme ça. La manière dont je garde la femme. Mon frère, je garde la femme jusqu'à... On peut pas m'arracher une femme. On ne peut pas. Je garde une femme jusqu'à elle ne regarde même plus dehors. Oh! Je dis que... Ça,
Demandez à toutes mes copines, elles vont vous dire. Toutes mes copines, c'est toutes celles qui m'ont connu. Que non, où le gars là, il te met à l'aise. En amour, en argent, en n'importe quoi. Oh. Mon frère, tu es disponible pour elle. Ah là là, libérateur, libéré. Ah là 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 là. Ils ont voulu me casser, ils se sont cassés le nez. Oh. Je sais que là maintenant, ce sont mes amis des États-Unis qui sont en ligne. Parce que là-bas, c'est eux, pour eux, là-bas, c'est minuit. Voilà, ce sont mes amis des États-Unis. Je fais le direct pour vous, hein. Pour ceux qui sont dehors, qui sont dans le war. For all my country people, they're winning for war. For all. Voilà, voilà les cœurs. Et ça, c'est pour vous, hein. Voilà, c'est ça, je sais. Et pour mes amis qui sont aux États-Unis, qui sont dehors, qui sont dans le war. Voilà, parce que là-bas, ils ne dorment pas. Donc, je me réveille pour vous. Vous voyez comment je me bats pour vous. Maintenant, vous demandez à Longueur de sortir la chanson. Si on était bien payé, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Quand ça va, ça rame. Pour nous tous ou pour moi seul. Dites-moi. Les gens, tu vas me tuer. Vous avez les cœurs, je mange les cœurs. Je mange le cœur. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Ouais. Aïe, oui, j'ai dit que les gens vont me tuer. Mais c'est ça, je fais ça pour vous. Je sais que vous ne dormez pas. Vous êtes là-bas, il est peut-être 23h. Il est quelle heure? Un Américain m'écrit l'heure là. Pourquoi l'image ne bouge pas? Pourquoi l'image s'arrête subitement? Il faut que ça circule, comme ça le message avance. Tu es lâche, Longueur. N'importe quoi. Ah, il est là à 23h. 23h30. Mais je suis lâche par rapport à quoi? Où ça? C'est où? Maman, il est 23h ailleurs, 22h35. C'est dans quel pays? Pourquoi l'image ne défile plus? Comme... Bon, peut-être que c'est là, je regarde ça, n'ayant. Attendez, il y a quelqu'un qui a écrit là où c'était quoi là? Ah, Toronto. Ah, 4h30 à Londres. Et enfin, Longueur est pris en otage. Par qui? 5h30, Nigeria. 8h30, Dubaï. Longueur TV. C'est le monde entier qui suit Longueur TV. Ah, de la magie. C'est le monde entier qui suit Longueur TV, mon frère. Oh là 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 là. Le monde entier. Ouais, libérateur. Si arrête le truc, vous allez souffrir. Attends, quelle heure? 5h32 à Paris. Voilà. C'est ça.
à Tripoli. Amenez-moi les faux pays là-bas. À Montréal, c'est mon grand aussi. Quel grand? J'ai un grand là-bas. Cette, combien là? Mon frère, j'ai lu les commentaires par rapport à quoi? Où sont mes pays? Si tu veux, un vous a dit que je fais le direct comme tous les autres. Je suis une star d'abord. Je ne suis pas là, je dis tes commentaires que tu écris. Moi, je ne suis pas ami avec les gens du Facebook. Hein. Moi, je parle au Camerounais. Je ne suis pas ami, je ne cherche pas de fans, je ne veux pas de fans. Si vous me suivez parce que ce que je dis est instructif, c'est ça. Je ne suis pas là pour dire que, oh Pascal tel, oh la Blacky tel, ceci, cela. Oui, merci ma mère, merci, moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Pour faire ça, tu t'abonnes d'abord. Tu dois payer la carte d'abonnement. Comme ça, je lis tes messages, j'appelle ton nom. Quand tu entends les dédicaces que je fais dans les chansons là, tu crois que c'est pour rien? C'est pas que tous les artistes s'élèvent, ils chantent Consti et Ka. Ils n'ont même jamais vu Consti et Ka, mais ils chantent Consti et Ka. Je vais lire ton direct, moi, Longa, je lis ton direct, j'appelle ton nom, que tu es qui? Hein? Tu es qui? Pour que moi, je me mets à appeler ton nom, que oui, tel. Non, je ne peux pas. Amenez ça là-bas. Allez faire ça chez les gens qui vont appeler vos noms là-bas, comme ça on sent que oui, il est sur la toile aussi. Moi je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Quand il dit ici là que oui, il faut sortir l'album, cotiser, personne ne cotise. Mais vous voulez qu'il doit lire vos noms, j'ai lu vos messages de quoi? Quand tu écris ton message, il y a les gens qui sont connectés, qui sont en train de lire tes messages. C'est ça, ça dit moi, je suis quoi? Je suis comme un modérateur. Voilà. Moi, je suis comme un modérateur. J'aborde un sujet. Les gens commencent à parler maintenant. Vous faites des commentaires. Et sur ça, maintenant, les gens écrivent. C'est comme ça, vous commentez entre vous là-bas. Et moi, je continue parce que même quand ils commencent à lire vos messages, ça m'égare. Ça me fait, je perds le feeling de ce que je voulais dire. Et c'est ce qu'Aïcha m'a dit l'autre jour. Que quand tu abordes un sujet, ne change pas. Tu vois? Parce qu'elle dit que l'autre jour, quand on a lu le message, tu as changé de sujet. Alors, donc maintenant, pour éviter que je me perde, et comme je ne suis même pas là pour appeler le nom des gens, si tu veux que j'appelle ton nom que Nadine de tel ou tel de tel, parce que tu es sur ma page, mon frère, tu dois t'abonner. Dis-donc, moi je suis sûr de mes directs, hein. Je suis sûr de moi, hein. Je ne rêve pas, hein. Je ne supplie pas les fans, hein, ou les abonnés, hein. Je ne supplie pas. Je ne supplie personne. Si je dois faire 10 000 personnes connectées, je vais faire. Je ne suis pas là pour supplier les gens que, oh, si vous ne connectez pas chez moi, regardez à quelle heure je fais le direct. Tout à l'heure, il y avait plus de 500 personnes. Hein? Regardez à quelle heure. C'est du jamais vu. Vous parlez de quoi là? Les gens font les directs, il y a 6 personnes connectées. Ouais, déjà, vous allez dire, il y a 7 personnes, 2 personnes. Ah, ah, vous allez me tuer. Ouais, regardez, déjà, vous allez dire, il y a les 6 personnes connectées, 3 personnes, 8 personnes. La première fois que je vois Bettini faire les directs, j'étais en Californie. J'ai dit que mes Bettini, je n'ai même pas encore commencé à faire les directs. Hein. Voilà, la deuxième personne que je vois donc faire les directs, c'est Bettini. Après la Mafo. C'est Bettini que je vois faire les directs. Et regarde, j'ai dit à Bettini que, mais il n'y a que 7 personnes. Alors. Non, 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 la deuxième personne, c'est William Jordan. Voilà, William Jordan. C'est William Jordan que je vois faire les directs. Après, il m'avait voir Bettini en Californie. Il dit que, mais mon frère, il n'y a que 7 personnes qui sont connectées. Jusqu'à... Je ne rêvais même pas faire les directs. Je ne rêvais pas. Je vous jure, je ne rêvais pas.
ne savais pas que j'allais même m'aventurer dans ce domaine. Bon, allez, bon, après maintenant, ça m'a pris. On n'avait pas me demandé de lire vos directs, parce qu'il y a une pembèche qui a dit qu'il ne lit pas ses directs. Mais, maman, je ne lis pas mes directs, maman. J'ai dit que, avant de faire les directs, j'ai d'abord réussi ailleurs. Hein? J'ai d'abord réussi ailleurs. Et que la France ne me reproche plus rien. Vous parlez de casier. Il y a des gens qui sont des multi-récidivistes en France. Mais ils font bien leur vie. L'Europe, il suffit d'un rien du tout, on te condamne. Tu parlais que vous avez écouté ce que la petite fille là. Fais-nous écouter ça. Tu le connais même la famille là. Il a dit c'est pas que mais la fille, si elle filme le banga ou c'est quoi? Hein? Elle filme le banga ou c'est quoi? Ah, on t'a monté. Mais on t'a monté sur la mauvaise personne. Parce que les gens disent que on va te faire ceci, on va te faire cela. Le jour où on me souffle que tu es ici, moi, ce n'est pas la justice. Moi, c'est la rue, c'est le bac. Moi, c'est la rue. Donc, si tu t'attaques à moi et que tu me dépasses au niveau de la justice, je cherche une autre route. Et tu ne sauras jamais que c'est moi. Parce que peut-être, je vais d'abord prendre l'avion, aller au Gabon. Et puis derrière, tu apprends seulement que... Comme je te dis, vous attaquez les gens. Hein. Les Raymond Tchenga ont l'argent pour amener des magistrats. Lesquels, moi, je n'ai pas l'argent. J'ai d'autres stratégies pour vous anéantir, pour t'écraser. C'est ça. Faites très attention. Non. Quelqu'un qui n'a pas peur du gouvernement aura peur d'une pébèche. Hein? Tu réponds à ma faute dans la peur. Je réponds, quelqu'un qui n'a pas peur du gouvernement ne privatisez pas le palais de Toudi. Quand il parlait ça, vous étiez même sur la toile était née. Non. Je vais même fermer les histoires si je m'en vais. Je vais fermer les histoires si. Hein? Mon frère, qui a les couilles comme moi? J'ai risqué 20 ans, j'ai pris. Tu es lâche, longue. J'ai risqué 20 ans, j'ai pris l'avion, je suis allé me présenter en France. Alors qu'il y a des Camerounais qui fuient l'Espagne, on veut les condamner, puis ils fuient l'Espagne, ils viennent s'installer en France. On veut les condamner en France, ils fuient la France, ils vont s'installer en Belgique. Hein? Combien de Camerounais ont fui la Suisse pour venir s'installer en France? Moi, je suis lâche. Il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles au Cameroun comme moi. Hein? Il n'y en a pas. Je me vante pour ça. Il n'y en a pas. Dis donc. Quelqu'un qui chante ne privatisez pas le palais de Toudi. Il chante que à l'Assemblée nationale, il n'y a que les vieux. Vous pouvez parler comme ça. C'est vous les lâches. C'est vous les lâches. Qui avait le courage de parler à Maudit dans ce pays? Qui avait le courage de dire à Maudit que stop? Une personne qui peut écraser, il peut l'écraser très mal. Pas les histoires qu'on parlait sur la toile là. J'utilise une autre stratégie et finis avec elle. C'est une personne ça. Une poubelle. Qu'elle enlève la greffe qu'elle a sur la tête, on voit à quoi elle ressemble. Si elle est courageuse, qu'elle enlève la greffe là, on voit à quoi elle ressemble. Le djoujou. Qu'elle enlève un peu ça. Vous savez, vous dites que quand elle est rencontrée à l'aéroport, elle avait une robe noire. Elle était toute sombre. Avec des babouches comme si mon frère était le babou de Kodongo.
aux États-Unis. Ah. Au lendemain, là, où c'est les injections. Où c'est les lotions qu'elle met, elle met les huiles partout qui sang. Un gars est venu de l'Espagne qui couillait avec elle à l'hôtel là-bas. Ou c'est de l'Espagne, ou c'est de non, d'un autre, ou c'était de New York, ou c'est d'où là. N'importe quoi. Je sais dire en il y a quelqu'un qui est venu là. Il me propose l'argent, je prends l'argent. Il y a quelqu'un qui est venu. Il dit que la fille n'a même pas d'intimité. Il y a quelqu'un qui est venu là, dis donc. Il dit qu'il veut me bider avec moi. Il fait comment, je prends l'argent. Voilà votre reine, mais je dis que je t'aime beaucoup quand même, Mafou. Je t'aime beaucoup parce que même dans la folie, on gagne. Dans cette folie-là, les gens te paient les billets d'avion, non? On te paie, on t'amène partout. Il dit que carrément, hein? Là, voilà qui se met, on a dit que tel artiste était malade. Il n'est jamais, hein? Si tu as une vidéo où on a dit ça, tu apportes. Et tu te mets toi, tu commences à insulter l'artiste indirectement. Qu'on a dit qu'il avait la chaude pisse. Qui a dit ça? Hein? Qui a dit? Et vous avez dit que. Vous avez dit que. Même quand vous étiez en train de dire que tel a la chaude pisse. Sors-nous la vidéo là. Tu montes. À Tokyo, hey, 13h33 à Tokyo. Ouais, un décalage total. Hein. J'ai déjà sommeil. Bon, je dors. Vous partagez au message, vous dites que le gars a fait fort. Je vous reviens plus tard. Ciao, ciao.